à tous. Allez, on se retrouve cette année pour une nouvelle vidéo. Je vous emmène avec moi sur une pêche du Lavaret aujourd'hui en lac alpin. Et je vais essayer d'être plus régulier, d'être plus présent sur la chaîne et vous faire partager un petit peu mes sorties pêche. Je vais vous présenter un petit peu le matériel d'aujourd'hui. Donc là, on va pêcher avec une petite canne d'1,25 m. On appelle aussi un canin. C'est une petite canne faite par mon détaillant, celle-là, hein, qui est magnifique. Elle a un super carbone, un carbone au module. Une poignée mousse pour les gars qui pêchent au cadre. Ils ont une très bonne prise en main. On a 3 sillons en tout. Ça nous permet de pêcher de partir de 3 grammes jusqu'à plus de 20 grammes. Dessus, j'ai un micro moulinet de chez Quick. Et une tresse de 6 centièmes qui a des couleurs différentes tous les 10 mètres et un repère tous les mètres. Voilà, après on a une épuisette avec un manche télescopique, des mailles en nylon et le plus important, nos gambes. Donc là, on a toute une série de gambes. Ce que j'aime bien faire, c'est commencer avec une gamme variée, avec plusieurs couleurs. Et après, une fois que j'ai mes touches, une fois que j'ai mes poissons sur la même couleur, je prends une gamme qui est toute la même couleur. Poisson. C'est pas très gros, on va le remonter doucement vu qu'on les remet. On voit bien l'action de pointe hein, de la canne qui est pas très parabolique, c'est le top. Un petit poisson de 28. Allez. Allez, on va rattaquer. Sur la même gamme, on a trouvé à peu près la vitesse d'action. On redescend sur les poissons pick-up ouvert. Et arrivé à quelques mètres juste au-dessus, j'arrête et je descends tout doucement. Manivelle en arrière pour pas arriver hyper fort au milieu des poissons. Et de temps en temps, ça arrive de les prendre comme ça la descente.
marche arrière. Donc là on a bien vu qu'il suivait, en sondeur. J'ai accéléré un petit peu, nous on dit qu'on l'aspire, et dès qu'on accélère un petit peu, tac, il jette dessus, et là on sent absolument aucune touche, c'est uniquement sur du visuel sur le bout du sillon, et on voit un tout petit frétillement, à peine un petit déplacement au bout de la canne. C'est pour ça qu'il faut avoir une canne qui soit pas très parabolique, mais assez droite quand on gambe. Et là on voit le bout, juste le dernier anneau, clac, qui fait un, mais vraiment minime. C'est pour ça qu'il faut être très concentré sur le bout de la canne et pas regarder les beaux paysages ou le sondeur. Et là bon ferrage, et on remonte tranquillement. Celui-là, il fait 30, un petit peu plus gros, mais toujours pas maillé. Allez, coucou. Donc là, j'ai une gambe avec plusieurs couleurs, du rouge, du noir, étincelle dorée, étincelle claire, étincelle vert. Et là, les deux poissons, je les ai pris sur la même nymphe, hameçon doré. Tête noire, corps rouge, étincelle dorée. Donc maintenant ce que je vais faire, je vais prendre une gambe avec tous les hameçons de la même couleur et on va voir si, si on peut prendre plus vite, plus gros. Allez, on essaye. Là, on voit bien, on va prendre celle-ci. Alors les gambes, je l'ai fait de 2 mètres maximum, 2 mètres de long maximum, avec à peu près 8 hameçons, entre 8 et 10 hameçons, et ça suffit largement. Pas besoin d'écarteur pour mettre le poisson à l'épuisette. On travaille au sondeur, on voit, c'est pour ça que je mets un émerillon en haut, assez gros. Bon, déjà c'est pour pas louper la boucle, pour pas faire tomber la gambe dans l'eau, et puis c'est pour avoir un signal assez fort sur le sondeur, plus le plomb. Comme ça je vois exactement mon espace. Alors quand on est vraiment bien placé sous la sonde, on arrive à voir les nymphes. Mais là déjà, juste avoir le haut et le bas, de voir exactement dans quelle couche on travaille, ça nous permet d'être pile sur les passages de poissons. Ça sert à rien d'avoir 4 mètres ou 5 mètres de passage entre les deux, 2 mètres, si on cible tout ça, on est largement assez précis.
poisson. Mais celui-là, dis donc, il a suivi un moment. Hein. Pareil, hein, c'est pas gros. Aussi. Poisson. Un petit peu mieux. Bon ben voilà, cette vidéo se termine. J'espère que ça vous a plu quand même un petit peu. C'était pas facile, on a pris que des petits poissons. Vers la prochaine fois. Allez, ciao.